La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien. Vous, qu'est-ce que vous faites? On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. C'est pour vous dire ceci. Si vous allez dormir dans votre case là, et vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va se lever parce que vous êtes fatigué, ouvrir sa tête à lui pour que vous quittiez de votre fatigue et jouer des bruits là, vous avez menti. Il n'y aura personne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe parce qu'on regarde l'autre. On se dit, il faut que les autres là fassent quelque chose. Les autres, c'est qui? C'est l'histoire des souris qui se rassemblent pour lutter contre le chat. Et la plus intelligente des souris a dit, moi j'ai trouvé. On va lui mettre une clochette au cou et chaque fois qu'il s'approche, ça sonne et on fuit. Tout le monde applaudit. On arrange la clochette. On ne trouve personne pour aller mettre. On ne libère pas un homme. Un homme se libère. Un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France peut dire « Allez-y, vous êtes libre ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la France veut notre bien. C'est pas vrai. Et elle a raison parce que notre situation actuelle profite à ses intérêts. C'est humain. Notre bonheur ne peut pas venir de ceux qui ont profité de notre esclavage, de ceux qui ont profité de notre état de dépendance. Ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi j'ai écrit, chaque fois que la France dit quelqu'un est bien, cette personne est bien pour la France. Mais c'est clair là. C'est humain. Si vous défendez les intérêts de la France couronne. Maintenant, est-ce que vous défendez vos propres intérêts à vous? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous défendez les intérêts de votre peuple? Ça, c'est autre chose. Dès que vous défendez les intérêts de la France, elle est en droit de faire de vous académicien, pape, machin, tout ça. C'est son droit. Il faut pas se leurrer. Il faut être clair. On dit en politique, les amitiés, les relations, les plus bonnes se perdent dans l'intérêt comme le fleuve se jette dans la mer. C'est comme ça en politique. C'est une question d'intérêt. C'est pas une question d'amitié. On n'aime personne. Nous sommes tous noirs. Tu as beau te maquiller, devenir luisant. C'est pas ça. Ça ne change rien aux yeux des Français. Tu es un noir. Tu es un colonisé. C'est tout. Et si tu défends leurs intérêts, ils te supportent moins. C'est pas plus compliqué là. Aujourd'hui, elle est là pour dire la francophonie, la maçonnerie, la machine. C'est des histoires, c'est une question d'intérêt. Personne ne nous donnera la liberté, personne ne nous donnera l'indépendance. Le voleur qui vous vole a raison. C'est vous qui avez tort de vous laisser voler. C'est moi. La pire des choses, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, c'est le silence des gens bien.